Bonjour chers élèves. Donc cette vidéo est destinée aux élèves du baccalauréat, toute section SVT, PC ou sciences maths. Donc c'est un sujet d'entraînement pour le baccalauréat que j'ai intitulé Examen blanc. Donc dans ce sujet, je vais vous proposer six exercices. Un exercice sur le nucléaire, un exercice sur les ondes mécaniques, un exercice sur l'électricité. Il y a un exercice sur la mécanique, on va traiter chute libre avec et sans frottement. Et deux exercices sur la chimie, un sur le suivi de réactions chimiques et un petit exercice sur la réaction de l'acide bétanoïque avec de l'eau. Donc l'énoncé vous a été envoyé dans la vidéo précédente. J'espère que certains d'entre vous l'ont déjà travaillé. Pour les autres, ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, je vous conseille de télécharger le sujet qui se trouve en PDF dans la description de la vidéo, de le travailler et c'est après que vous pouvez regarder la vidéo. Donc voilà, je vais traiter donc exercice par exercice. Je vais commencer par le nucléaire. Donc on va s'intéresser à la désintégration du fer. On vous donne la masse du cobalt, la masse de l'électron, à une unité de masse atomique en mégaélectronvolts et en kilogrammes. Un électron vote en joules. Et on vous dit que le noyau de fer il est radioactif, fer 2659, est radioactif de période T, ce qu'on appelle période T, c'est tout simplement T1,5. Elle se désintègre spontanément en un noyau de cobalt avec une émission d'une particule X. Écrire en précisant les lois, utiliser l'équation de désintégration, nommer la particule émise. Calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de fer. On désire mesurer l'activité de la substance Fe2659. Pour cela, on dispose à T égale à 0 d'un échantillon de fer de masse M0 égale à 1 mg, d'activité à 0. 10 jours plus tard, on mesure l'activité et on remarque que l'activité a été divisée par 1,17. Question, définir l'activité d'un échantillon radioactif et donner son expression en fonction de A0, de lambda et du temps, déterminer la valeur de lambda et en déduire T1,5. Petit c, calculer A0 et enfin la masse du fer désintégré à l'instant T, noter M indice D, déterminer la valeur de MT à l'instant T1 égale à 10 jours. Donc je vais faire donc chaque exercice, on va d'abord traiter la solution avant de passer aux exercices suivants. Bien, donc allons-y donc pour la corrigée de nucléaire. Donc je vous rappelle que le nucléaire, toujours, ce sont des exercices très faciles. Donc c'est vraiment des points à ne pas rater dans un examen du baccalauréat. Donc l'équation de désintégration, on vous dit le fer nous donne le cobalt plus une particule X. Bien sûr, on va utiliser la conservation du nombre de masses, la conservation de Z, pour déterminer A et Z de la particule émise. Donc vous avez 59 égale 59 plus A, donc A égale à 0. Et 26 est égal à quoi? Est égal à 27 plus Z, donc Z égale à A moins 1. Donc voilà. Et la particule qui possède une charge moins 1 et un nombre de masse 0, c'est bien sûr la particule bêta moins. Donc la particule émise est un électron, elle provient de la transformation d'un neutron en un proton. On vous dit d'expliquer le mode de désintégration bêta moins. Eh bien, bêta moins, comment interpréter cette interprétation-là? C'est un noyau du fer, un neutron, pardon, du noyau de fer. Il va se transformer en un proton, comme ça le nombre de masses est conservé. Et par contre, la charge, vous voyez, quand un noyau se transforme en proton, la charge a été réduite de moins 1. D'accord? Donc voilà comment on explique la désintégration bêta moins. Donc c'est un neutron du fer qui se transforme à l'intérieur du noyau de fer en un proton plus émission d'un électron de charge négative. Donc le nombre de masses est conservé, mais Z a été augmenté de 1. D'accord? Parce que le neutron Z égale à 0, alors que le proton Z est égal à 1. Bien. Question suivante. Calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée lorsqu'un seul noyau se désintègre. Donc là, c'est classique.
L'énergie libérée par les désintégrations d'un noyau, c'est delta M, c carré. Seule chose, bien sûr, faire attention. Lorsqu'on vous donne delta M en unité de masse atomique, donc là, on utilise tout de suite les valeurs de la masse en unité de masse atomique et on multiplie par le facteur qu'on vous donne, 900 et quelques mégaélectrons. Et le résultat, c'est bien sûr oméga électronvolts. Donc, vous calculez delta M, c carré, et vous allez trouver 1,055 mégaélectronvolts. Ça, c'est des questions très classiques, donc je ne vais pas tarder là-dessus. Maintenant, définir l'activité. Donc, c'est quoi l'activité d'un échantillon radioactif? Donc, c'est sa vitesse de désintégration. Donc, l'activité est d'un radionucléide et le nombre de désintégrations qui se produisent par unité de temps. Donc, par unité de temps, c'est d de n sur d de t. Autrement dit, c'est la vitesse de désintégration. D'accord? Donc, c'est le nombre de désintégrations qui se produisent par unité de temps. Donc, à son expression mathématique, bien sûr, c'est A de t, c'est A0 exponentielle moins lambda de t. Bien, on veut calculer lambda. On dispose de quoi? Donc, toujours, il faut voir qu'est-ce qu'on dispose. La relation, c'est A de t égale à A0 égale exponentielle moins lambda t. La seule donnée qu'on a, c'est que l'activité au bout de 10 jours a diminué d'un facteur 1, quelque chose. Donc, je dois utiliser cette donnée-là pour déterminer lambda. Donc, je dois écrire A de t sur A de t plus 10. Donc, A de t, c'est A0 exponentielle moins lambda t. Et à 2t plus 10 jours, je dois remplacer t tout simplement par t plus 10. Ça, c'est en jour, en journée. D'accord? L'unité du temps, c'est le jour. D'accord? On va simplifier par A0. On va simplifier par exponentielle moins lambda t. Et ici, il va vous rester exponentielle moins 10 lambda. Il va remonter au numérateur et va devenir exponentielle moins lambda t égale à 1,7. Donc, une petite erreur, je vais la corriger tout de suite. Donc, je disais donc, en simplifiant par A0, par exponentielle moins lambda t, il va vous rester ici au dénominateur exponentielle moins lambda t. Donc, lorsqu'elle remonte au numérateur, il va devenir exponentielle plus lambda t, égale à 1,17. Pour éliminer l'exponentielle, bien sûr, il faut utiliser le logarithme. Donc, le logarithme de l'exponentielle de x, c'est x, donc 10 fois lambda. C'est logarithme de 1,17, et donc on va déduire lambda est égal à 10 divisé log de 1,17. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais corriger là aussi. Donc là, c'est l'inverse, hein, vous corrigez, c'est clair. Donc lambda, bien sûr. Bon, allez, je vais corriger tout de suite. Bien. Donc on a dit, on applique le logarithme ici, donc logarithme de exponentielle x, c'est x, donc vous avez 10 lambda, est égal au logarithme de 1,17, donc lambda, c'est bien logarithme de 1,7 divisé par 10, bien sûr, la valeur numérique, c'est 1,57, 10 moins 2, faites attention, l'unité, c'est en jours, hein, d'accord? Parce que 10, c'est en jours. Maintenant, déduire t1 demi. Bon, là, si je vous ai dit tout de suite t1 demi, rappelez-vous, lambda, c'est toujours l'inverse de t1 demi. Donc lambda est égal à log de 2 sur t1 demi, ou bien t1 demi égal à log de 2 sur lambda. Hein? D'accord? Donc j'ai lambda, donc je peux déduire t1 demi, qu'on note aussi grand t égal à log de 2 sur lambda. J'utilise la valeur de lambda trouvée ici, et vous allez trouver 44,15 jours. Bien. Maintenant, voilà une question intéressante. Comment déterminer l'activité à l'instant t égale à 0? Donc, si vous remplacez t par 0 ici, vous avez A de t, c'est A0. Bon, c'est quoi l'expression de A0? Donc, il faut toujours penser à une autre expression de l'activité. Donc, l'activité, je peux l'écrire A est égal à lambda de n, dans le cas général. Et par conséquent, A0, c'est lambda fois n0. N0, c'est quoi? C'est le nombre de radionucléides qui se trouvent dans l'échantillon à t égale à 0. On connaît lambda. Comment déterminer N0? Or, on sait que la masse de l'échantillon à t égale à 0, elle est donnée. C'est 1 mg. D'accord? Donc, la masse, donc N0, je peux le calculer par la relation suivante. N0, c'est la masse de l'échantillon à t est égale à 0, divisé par la masse d'un noyau du fer. Donc, N0, c'est le nombre de radionucléides. Faites attention à la différence entre le nombre de noyaux et le nombre de moles.
Donc le nombre de noyaux du radionucléide, c'est tout simplement la masse de l'échantillon divisé par la masse du noyau. D'accord? Et donc, je connais lambda, je connais la masse à t égale à 0, la masse du noyau de fer est donnée. Donc je peux utiliser les deux masses en grammes ou bien en milligrammes. L'essentiel, il faut utiliser la même unité. Et donc, faites l'application numérique, vous allez trouver 1,6 10 puissance 17 désintégration par quoi? Par jour, parce que l'unité de lambda, c'est le jour. D'accord? Bien. Donc, soit, puisque ce n'est pas l'unité de l'activité, l'activité, l'unité, c'est le becquerel, ou bien désintégration par seconde. D'accord? Donc, par jour, il suffit de remplacer un jour par 24 fois 24 heures. Chaque heure contient 3600 secondes. Donc 24 multiplié par 3600. Si vous divisez 1,6 par 24 fois 3600, vous allez trouver 1,85, 10 moins 10 puissance 15 becquerel. Donc je vous rappelle, le becquerel, c'est le nombre de désintégration par seconde. Faites très attention aux unités. C'est la seule difficulté dans le nucléaire. D'accord? Je répète, notre T1,5, il est en jours. D'accord? Donc le lambda, il est en jours moins 1. D'accord? D'accord? Ici. Donc A0, c'est le nombre de désintégration par jour. Donc le jour se trouve au dénominateur. Donc si vous voulez l'activité en becquerel, autrement dit en désintégration par seconde, vous remplacez le jour par 24 fois 3600 secondes. Donc vous divisez ce terme par 24 fois 3600 secondes. Très bien. Maintenant, on nous dit la masse du fer désintégrée au bout de 10 jours. Faites très attention, c'est la masse qui a été désintégrée. Or, je vous rappelle, lorsqu'on écrit n égale à n0 exponentielle moins lambda t, ce n-là, c'est le nombre de nucléides qui restent à l'instant t. Donc, la masse désintégrée, c'est quoi? C'est tout simplement la masse initiale moins la masse qui reste à l'instant t. Et cette masse qui reste à l'instant t, qui est égale à m0 exponentielle moins lambda t. D'accord? Donc, le m de t, c'est comme n de t, le nombre de radionucléides qui reste à l'instant t, c'est n0 exponentielle moins lambda t. Le nombre de nucléides qui se sont désintégrés, c'est n0 moins n de t. C'est la même chose pour les masses. D'accord? Donc la masse désintégrée, c'est la masse initiale, moins la masse qui reste à l'instant t. Or, la masse qui reste à l'instant t, c'est m0 exponentielle moins lambda t. Donc vous factorisez par m0, 1 moins exponentielle moins lambda t. On connaît t, on nous dit après 10 jours, donc je remplace t par 10 jours. Je remplace lambda en unité de journée, d'accord? Et je trouve directement l'expression de MD, puisque je connais déjà M0 en milligrammes, et donc je trouve que MD est égal à 0,145 milligrammes. Bien, voilà pour le premier exercice sur le nucléaire. On passe à un deuxième exercice sur les ondes mécaniques. Donc je l'ai énoncé brièvement. Donc on vous dit un vibreur muni d'une pointe provoque des vibrations sinusoïdales verticales d'amplitude A. D'accord? Suite à cette vibration, vous allez avoir des formations d'ondes circulaires à la surface de l'eau de célérité V. On néglige l'amortissement des ondes. À t égale à 0, S débute son mouvement en partant de l'état de repos. D'accord? Donc, à un certain moment, il est au repos. À t égale à 0, vous allez le vibreur S qui va vibrer. Et vous allez voir des ondes entretenues le long de la cuve d'eau. Question. Pourquoi les bords de la cuve à sonde sont tapissés de la mousse? On met de la mousse les bords de la cuve. Bon, ça c'est une question. Bon, on passe. Préciser en le justifiant si l'onde est transversale ou longitudinale. Donc voilà les questions auxquelles il faut répondre correctement. On considère deux points A et B de la surface d'eau située à une distance AB égale à 6 mm. Donc on vous donne l'élongation du point A, l'élongation du point B. Et à partir de cette figure-là, déterminer la fréquence de cette onde, le retard temporel entre l'onde qui arrive au point A et l'onde qui arrive au point B, de calculer la célérité de cette onde et en déduire sa longueur d'onde. Donc voilà vraiment des choses absolument à connaître pour les ondes mécaniques. Dans la deuxième partie, on va remplacer la pointe par une raclette
une raclette en fait, R, c'est ça. Donc c'est ça une raclette. Hein? Donc c'est quelque chose qui est rectangulaire, qui va vibrer. C'est non pas une pointe, mais c'est une raclette. Et on va voir des ondes à la surface de l'eau. Et à une distance de cette raclette, on va mettre une fente. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc oubliez maintenant le problème de stroboscope parce qu'il n'est plus dans les programmes, je crois, du baccalauréat. Mais les réponses sont indépendantes de ça. Donc on vous dit nommer le phénomène qu'on va observer à la surface de l'eau si, bien sûr, la longueur d'onde est de même ordre de grandeur de la fente. Et ensuite, remplir la figure suivante en schématisant l'aspect de la surface de l'eau à partir de part et d'autre de l'obstacle, c'est-à-dire sur ce schéma, quelle sera la surface de l'eau dans cette partie-là et dans cette partie-là. Donc voilà un exercice sur les ondes mécaniques. Il y a une partie vraiment à connaître, bon, une partie, on va essayer de répondre. On va passer d'abord à la correction de la partie mécanique. Bien, donc. Pourquoi on tapisse les bords de la cuve par de la mousse? Bon, ça c'est des questions justes pour empêcher ce qu'on appelle le phénomène de réflexion. Donc pour ne pas avoir des ondes stationnaires. D'accord? Maintenant il s'agit, bon, l'onde à la surface de l'eau, quelle est sa nature? Est-ce que c'est transversal ou vertical? Donc voilà le mouvement du vibreur. Voilà la direction de déplacement des ondes à la surface de l'eau. Donc les deux sont perpendiculaires. Et bien sûr, il s'agit des ondes transversales. Question suivante, on vous demande de calculer la fréquence de cette onde à partir de cette courbe-là. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de la courbe? D'abord, c'est quoi la fréquence? Eh bien, la fréquence, c'est tout simplement l'inverse de quoi? De la période. Donc, il suffit de déterminer la période à partir de cette courbe. La période, c'est le temps qui sépare deux maximums ou bien deux minimums ou deux points identiques. Donc, c'est-à-dire entre ce point et ce point. Et si on fait la lecture, vous allez trouver facilement la période égale à 40 millisecondes. Vous avez 10, 20 ici. Donc chaque carreau correspond à 10 millisecondes. Donc 10, 20, 30, 40. Donc c'est bien 40 millisecondes. Et donc la fréquence, c'est 1 sur 40. Donc ça vous donne 1 sur 0,04, ça vous donne 25 Hz. Faites très attention. Il ne faut pas laisser le temps en millisecondes. Parce que le hertz, c'est seconde moins 1. Donc il faut le transformer en seconde avant de calculer la fréquence. Bien, maintenant on vous dit, on veut le retard temporel entre l'élongation au point A et l'élongation au point B. Donc voilà, on crée une vibration au point O, continue. À un certain moment, l'onde met un temps pour arriver au point A. Donc avant ce temps-là, le point A était au repos. L'onde va arriver à un instant T1, le point A va commencer à vibrer, il va reproduire le même mouvement du point S, mais avec un retard T1. Après un instant T2, l'onde va arriver au point B, qui lui-même va refaire le même mouvement que le point A, mais avec un retard T2. Ce qu'on nous demande, c'est ce retard entre l'élongation, autrement dit entre la durée qu'a mis l'onde, entre l'arrivée au point A et l'arrivée au point B. Donc la durée delta T qui sépare le passage de l'onde au point A et au point B, il suffit de faire juste la lecture sur la courbe. Parce que ici, c'est l'élongation en fonction du temps. Donc vous voyez que le point A commence à vibrer à l'instant T égale à 20 millisecondes. Par contre, le point B, donc 10, 20, 30 à 35 millisecondes, le point B commence à vibrer. Donc tout simplement, delta T, c'est égal à 15 millisecondes, c'est la différence de temps entre ce point et ce point-là. D'accord? Donc l'onde a mis 15 millisecondes pour parcourir la distance AB. Donc ceci va nous permettre bien sûr de calculer tout de suite la célérité de l'onde. On connaît la durée AB, la distance AB, on connaît le temps qu'a mis l'onde pour parcourir cette distance AB, c'est ce qu'on a déterminé ici, delta de T. Donc la vitesse, bien sûr, c'est la distance sur le temps. Et donc, ça vous donne 0,4 mètres par seconde. D'accord? Maintenant, on remplace le vibreur par une raclette. Et on met une fente à une distance D de cette raclette-là. Et on vous dit que l'ouverture de la fente est de même ordre de grandeur que la longueur d'onde
des ondes émises par la raclette. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer tout simplement un phénomène de diffraction. Et la longueur d'onde après diffraction, bien sûr, va être la même qu'avant diffraction. Donc, voilà le schéma que vous allez obtenir. Donc, ça, c'est les ondes, les creux. Donc, là, l'amplitude maximale, minimale, maximale, et ainsi de suite. La distance entre deux amplitudes maximum, c'est lambda. Donc, vous voyez ici, vous allez avoir des vagues très longues. Hein. Une fois arrivé à la fente, on va avoir émission d'ondes circulaires. Et ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, le phénomène de diffraction. Donc, voilà pour ce deuxième exercice très simple. On a rappelé quelques relations de base sur les ondes mécaniques. On passe au troisième exercice qui est l'électricité. Donc, là aussi, c'est un très bon exercice, vous allez voir. Donc, la résistance, c'est 260 ohms. Vous avez un condensateur inconnu, une bobine d'inductance L de résistance interne R. Et à l'aide du circuit figure 1, d'accord, on vous dit le condensateur initialement déchargé. Expérience 1, on place l'interrupteur en position 1. L'expérience 2, on va placer l'interrupteur en position 2. Très bien. Un dispositif d'acquisition permet de tracer, de suivre l'évolution de la tension UAM au bord du condensateur et au cours du temps et de tracer la courbe correspondante. La fermeture de circuit dans chaque expérience déclenche l'acquisition des mesures à partir d'instant t égale à 0. On obtient les courbes A et B. D'accord? De la figure 2. Sur le chronogramme, on a tracé la tangente delta 0 à la courbe UAM à t égale à 0. C'est celle-là. Pour chacune des courbes, précisez l'expérience correspondante et indiquez le phénomène physique qui est mis en évidence. Est-ce que c'est un phénomène de résonance d'intensité électrique? Charge d'un condensateur, oscillation électrique forcée, oscillation électrique amortie. Choisir la bonne réponse qui correspond à chaque expérience. En exploitant la figure 2, déterminez la force électromotrice du générateur. Donc, figure 2, bien sûr, c'est celle-là. Et à vous de choisir laquelle, est-ce que c'est petit A ou petit B. Détermine la force électromotrice du générateur, la constante du temps relative au dipôle RC et déduire la capacité. Détermine la pseudo-période des oscillations électriques et en déduire l'inductance. Vraiment des questions très classiques où tout le monde doit savoir répondre à ces questions. J'ai largement étudié ce type de questions dans les vidéos précédentes. Petit d, la valeur de l'énergie totale du circuit dans la deuxième expérience entre t égale à 0 et t égale à une période. Déduire l'énergie dissipée et interpréter. Là aussi, c'est des questions qu'on a déjà traitées en détail. Dans la partie 2, on réalise maintenant le circuit de la figure 3. Donc, c'est un circuit RL constitué par l'association d'une bobine de résistance petit R et une résistance grand R. On ferme l'interrupteur en vous donnant la force électromotrice 6 volts. Le résultat, voilà U de la tension en bord de la bobine. D'accord? Les questions, c'est nommer le phénomène qui se manifeste après la fermeture de l'interrupteur. Équation différentielle vérifiée par I de R. Vous voyez, des fois, on vous dit par I de T, des fois par I de R. Donner l'expression de la tension aux bornes de la résistance, aux bornes de la résistance en régime permanent. Déduire toujours en régime permanent la tension au bord de la bobine. Voilà des questions très intéressantes auxquelles il faut réfléchir. En exploitant le chronogramme de la figure 4, déterminer la valeur de la tension au bord de la bobine et de la résistance lorsque le régime permanent s'établit dans le circuit. D'accord? Et enfin, déduire la valeur de la résistance petit r de la bobine. Allons-y donc pour la correction. Donc, on vous dit, voilà les chronogrammes, vous avez vu les chronogrammes A et B. Il s'agit de quoi? D'accord? Dans l'expérience 1, quand je ferme l'interrupteur, à votre avis, qu'est-ce qu'on a quand je ferme l'interrupteur ici? Quand je ferme l'interrupteur, j'ai quoi? J'ai condensateur au départ déchargé qu'on va voir. On va voir tout simplement charge du condensateur. Donc, il faut choisir tout simplement la phrase charge du condensateur. Maintenant, dans l'expérience 2, quand l'interrupteur passe sur la position 2, vous allez voir un circuit RLC, mais où il n'y a pas de générateur. Donc, on va voir
et que contient une résistance. D'accord? Donc on va voir un mouvement oscillatoire amorti. Libre, parce qu'il n'y a pas de générateur, amorti, parce qu'il y a des résistances. Très bien. Maintenant, on va exploiter la figure 2 et déterminer les grandeurs suivantes, physiques suivantes. La force électromotrice du générateur, à votre avis, qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce que c'est cette courbe-là ou c'est cette courbe-là? La plus simple, c'est bien sûr la charge du condensateur. Vous savez qu'une fois que le condensateur est complètement chargé, c'est-à-dire dans le régime permanent, quelle est la force électromotrice? La tension au bord du condensateur, et bien sûr la tension au bord du condensateur, c'est égal à E. Donc ça, c'est E. Ça, c'est largement étudié dans les vidéos consacrées à la charge du condensateur. Donc vous allez dire tout simplement, à partir de la figure A, graphiquement, on a E égal à 6 volts. Maintenant, la constante du temps, là aussi, je l'ai tracée ici, l'intersection avec Y égale à E, faites la projection sur l'axe de temps, et vous avez bien sûr la constante du temps, tau et tau, graphiquement, ça vous donne 54 divisé par 2, c'est-à-dire 27. Faites très attention aux unités microsecondes, c'est-à-dire 10 moins 6 secondes. Tau, c'est quoi? C'est RC. Donc, tout de suite, C est égal à tau sur R. Vous voyez, on vous donne des choses pour faire des calculs très simples. Vous simplifiez par 27 et ça vous donne 10 puissance moins 7 farad. Maintenant, on vous dit que la pseudo-période du circuit LC, quelle est déterminer la pseudo-période de circuit LC? Bien sûr, maintenant, il faut aller dans là-bas, la figure petit b. C'est là, c'est-à-dire l'interrupteur sur la position 2. Et voilà le phénomène oscillatoire amorti. Et la pseudo-période, c'est le temps qui sépare deux maximums consécutifs. Ça veut dire ce temps-là. Et ce temps-là, vous allez faire tout simplement graphiquement, est égal à combien? Est égal à 1,5. Pardon, 2 est égal à 2 millisecondes. Donc voilà, la période, c'est 2 millisecondes. Connaissons la période, connaissons la capacité. Toujours, question classique, c'est déterminer l'inductance. Donc on enlève au carré cette expression-là et on déduit L. Bon, ça, je l'ai fait plusieurs fois. Faites l'application numérique, vous allez trouver 1 henri. Là aussi, vous n'avez pas besoin de calculatrice, vous simplifiez par 4. 10 fois 10 moins 7, c'est 10 moins 6, divisé par 10 moins 6, ça vaut donc tout de suite 1 henri. Maintenant, on vous dit la valeur de l'énergie électrique totale dans l'expérience 2 à t égale à 0 et à t égale à grand t. D'ailleurs, on peut l'appeler énergie électrique ou l'énergie totale. On peut oublier électrique. Pourquoi? Qu'est-ce que vous remarquez à l'instant t égale à 0 et à l'instant t égale à t? Pour les deux temps-là, vous voyez que la tension au bord du condensateur, elle est maximale. Ça veut dire la charge, elle est maximale. Or, on a dit, si la charge est maximale, le courant, il est comment? Il est nul, parce que I, c'est D de Q sur D de T. Donc, en ces deux instants-là, le courant, il est nul. Donc, l'énergie emmagasinée par la bobine, il est nulle. Donc, l'énergie, elle est purement électrique dans le circuit. Or, l'énergie électrique, c'est quoi? L'énergie électrique, c'est 1 demi C fois UC au carré. Donc, il suffit de déterminer UC qui est tout simplement UAM à l'instant t égale à 0 et à l'instant t égale à 2 millisecondes. À t égale à 0, graphiquement, vous voyez que UC est égal à 6 volts. Et donc, vous faites l'application numérique, ça vous donne 18, 10, moins 7 joules. À t égale à grand T, vous voyez que, voilà, hops, t égale à grand T, la tension au bord du condensateur se réduit à 4. Donc, faites même chose, on va trouver 8, 10, moins 7 joules. Vous voyez bien que l'énergie a diminué. C'est normal, parce que le circuit contient des résistances. Et la variation de l'énergie, c'est-à-dire l'énergie à l'instant T2 moins l'énergie à l'instant T1, bien sûr, va être négative. Si 8 moins 18, ça vous donne... toutes ces petites erreurs de calcul, je vais les corriger tout de suite. Donc la variation, c'est 8 moins 18, ça fait combien? Ça fait moins 10. Moins 10 fois 10 moins 7, donc là, il faut avoir 10 moins 6 joules, d'accord? Donc c'est une énergie négative, c'est normal, ça correspond à l'énergie qui est dissipée par effet joule dans les résistances. Maintenant, on va passer à la partie 2, on va étudier le circuit RL. La question très classique, d'abord, à la fermeture du circuit, d'abord, on vous dit de quel phénomène il s'agit. Vous savez que le rôle d'une bobine
dans un circuit RL lors de l'établissement du courant s'il de s'opposer à l'établissement du courant. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'auto-induction. D'accord? Donc la bobine s'oppose toujours au mouvement de la variation du courant, de façon générale. Bien, deuxième question, quelle est l'équation différentielle? Donc là, faites les lois des divisibilités des tensions, tension au bord du générateur, voilà la tension au bord de résistance, la tension au bord de la bobine, toujours la flèche dans le sens inverse au courant. Ça maintenant, vous le savez par cœur, voilà U de R, vous remplacez et vous allez arriver facilement, je suppose tout le monde va arriver facilement à cette équation différentielle. Donc là, je vais passer rapidement parce que c'est des choses qu'on a traitées, retraitées, je ne sais pas combien de fois dans les vidéos que j'ai proposées sur la chaîne. Donc tout le monde devrait être capable d'arriver très facilement à cette équation différentielle. Maintenant, quelle est la valeur de la tension au bord de la résistance en régime permanent? Qu'est-ce que ça veut dire un régime permanent? Dans un circuit RL, un régime permanent, ça veut dire le courant, il est comment? Il est constant. Donc la bobine s'oppose à l'établissement du courant, mais dans un régime transitoire. Une fois que le régime transitoire est fini, ça y est, le courant reste égal à une constante. Et lorsque le courant est constante, la bobine n'a plus de rôle, il va se comporter comme une simple résistance. Donc au régime permanent, U de R égale à une constante. Donc la dérivée de U de R sur D de T égale à 0. Donc on remplace dans l'équation différentielle D de UR sur DT égale à 0. U de R, on va le remplacer par sa valeur en régime permanent. Et donc voilà la tension au bord d'une résistance. Faites attention, la note 0, mais c'est en régime permanent. Hein? On aurait dû le noter RP. Bien. Maintenant, la même chose, déterminer la valeur de la tension de la bobine au bord du régime permanent. Donc là, question très intéressante, à votre avis. Qu'est-ce que vous avez proposé comme solution? Eh bien, c'est très simple, toujours revenir à l'équation de l'additivité des tensions. Vous avez à chaque instant, E est égal à U de L plus U de R. Donc, a fortiori, en régime permanent, GE est égal à la tension au bord de la bobine plus la tension au bord de la résistance en régime permanent. Or ça, je viens de le déterminer, donc je peux déterminer à partir de cette équation la tension au bord de la bobine en régime permanent, c'est E moins la tension au bord de la résistance en régime permanent. Et ça vous donne petit r fois grand E sur grand R plus petit r. Je vous rappelle que la tension au bord de la bobine ne chute pas vers zéro, que si la bobine est idéale. Donc si la bobine possède une résistance interne, ce terme-là, c'est R fois I permanent. Donc petit r fois I permanent. Cette valeur-là. Donc faites très attention. D'accord? Maintenant, graphiquement, maintenant on vous dit de déduire la tension au bord de la bobine et au bord de la résistance, leur valeur numérique. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de cette courbe? Voilà le régime permanent. Je peux déterminer UHM, qui est la tension au bord de la bobine. Donc, je peux déterminer UB0. Donc, graphiquement, UB0 égale à 2 volts. Or, UB0 plus EL0, c'est 6 volts. Donc, je peux déterminer tout de suite UR0, c'est 4 volts. Maintenant, à partir de ces données, on vous demande de déterminer la résistance interne petit r. Vous avez plusieurs façons. Donc, la plus simple, c'est de faire le rapport entre UB0 et UL0. D'accord? Et ce rapport-là va devenir tout simplement petit r sur grand R, parce que E sur grand R plus petit r va se simplifier. Donc petit r égale à grand R fois UB0 sur R0. Donc ça c'est 2, ça c'est 4, ça c'est 270, et ça vous donne 135 ohms. Bien, donc voilà pour le sujet de l'électricité. On va rappeler l'énoncé du sujet de mécanique. Donc voilà, je fais une lecture rapide de l'énoncé. On vous dit, normalement, les parachutistes donc, qui sautent d'un avion à 3000 mètres d'altitude, mais n'ouvre son parachute que 2000 mètres plus tard. Donc on va étudier ce mouvement dans la partie sans parachute et dans la partie où il ouvre son parachute. D'accord ? On vous dit, l'avion roule, voilà ce qui est important, en palier horizontal, donc sa trajectoire, elle est horizontale, c'est très important cette phrase-là, à l'altitude H0, bien sûr, ça c'est important pour les applications numériques, et à la vitesse V0.
Donc le sauteur quitte l'avion en un point A, qu'on va prendre comme origine des dates. On va étudier le mouvement dans le repère OX, OY. Et on va supposer, bien sûr, de la première partie, qu'il n'y a pas de frottement, ni aucune force de frottement. D'accord? Bien, qu'appelle-t-on un mouvement de chute libre? Appliquer deuxième loi de Newton pour déterminer Z en fonction de X. Tout ça, il faut déterminer d'abord gamma, ensuite la vitesse, ensuite X, Z en fonction du temps et à la fin l'équation de la trajectoire. Et enfin, déduire la durée, de quelle hauteur, au bout de quelle durée le sauteur atteindra-t-il l'altitude H1 égale à 10 puissance 3 mètres. Maintenant, on va vérifier est-ce que la chute est libre ou pas. On vous dit... Si la chute est libre, justifiez, il faut faire des calculs, que l'énergie mécanique du sauteur se conserve entre H0 et H1. Donc il faut vérifier ce qu'il est conservé ou pas. On déduire la valeur de V1 de la vitesse si la chute libre, bien sûr, est justifiée. Donc maintenant, on déduire la valeur de V1 de la valeur de la vitesse atteinte dans ce cas par le sauteur à l'altitude 10 puissance 3 mètres. Si la chute est libre, une fois qu'il arrive à une hauteur H1, déterminer sa vitesse. Or, on dit en réalité, la vitesse atteinte par le parachutiste n'est pas égale à celle que vous allez trouver, mais à 55 mètres par seconde. Comment expliquer cet écart? Et on va déduire si la chute était réellement libre ou pas. Deuxième partie, le parachutiste va ouvrir son parachute à l'altitude H1. L'ensemble va être soumis à une force de frottement en vous donnant son expression. Donc ça c'est son module, faites attention. On vous donne ρ de l'air et ainsi de suite. On néglige la poussée d'Archimède. Donc on va tenir compte uniquement du poids et de la force de frottement. Quelle est l'unité des cas? En utilisant une analyse dimensionnelle. En utilisant la deuxième loi de Newton, montrer que la vitesse, l'équation différentielle de la vitesse est la suivante. Donc ça c'est des exercices très classiques pour le moment. Cette vitesse diminue rapidement, puis se stabilise à une valeur V2. À partir de l'équation différentielle, déduire la valeur de V2, c'est la vitesse limite, en fait. Déterminer sa valeur. Et la figure 3-4 vous donne l'allure de Z en fonction du temps. Retrouvez à l'aide de cette figure la valeur V2 calculée au paragraphe 3-3. Voilà cet exercice de mécanique. C'est un exercice vraiment très classique de chute libre avec et sans frottement. Et là aussi, tout le monde doit le faire. Sans aucun problème, hein, j'espère. Bien, au sens des physiciens, qu'appelle-t-on un mouvement de chute libre? Ou bien, quand est-ce qu'on parle d'un mouvement de chute? C'est une chute libre, tout simplement, si le système étudié n'est soumis qu'à son poids. D'accord? Si la seule force qui s'exerce, c'est le poids, dans ce cas-là, on parle de chute libre. Maintenant, appliquer deuxième loi de Newton et en déduire les coordonnées AX et AZ du vecteur accélération du sauteur. Là, ce qui est très important, comme j'ai déjà précisé plusieurs fois, dans les chutes libres, chutes paraboliques, de bien déterminer les conditions initiales. Bien. On va d'abord préciser le système étudié. C'est le sauteur ou bien le parachutiste. Quelles sont les forces appliquées? C'est le poids. D'accord? Les autres forces, c'est négligé. C'est écrit dans l'énoncé. On applique deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à M gamma. Donc, A est égal à G. Il faut bien projeter sur le repère d'étude OX, OZ. Bien sûr, la projection de G sur OX, c'est 0. Et sur OZ, c'est moins G. D'accord? Voilà. Et donc, voilà les composantes de l'accélération suivant X et suivant Z. Voilà les conditions initiales. On vous le demande ici, on vous demande de les écrire, parce que c'est ça qui va déterminer dans la suite les constantes d'intégration. Maintenant, pourquoi j'ai noté la vitesse horizontale, parce que dans le texte on vous dit l'avion suit son mouvement horizontal, donc c'est écrit dans l'énoncé et c'est très important. Donc la vitesse du sauteur à t égale à 0 va être exactement la vitesse de l'avion, et donc l'angle que fait la vitesse avec l'axe OZ, c'est bien 90 ou bien 0 avec l'axe des X. Autrement dit, la vitesse va avoir deux composantes, V0 suivant l'axe des X et 0 suivant l'axe Z. D'accord? Au lieu de V0 cosinus alpha, V0 sinus alpha, que vous avez l'habitude, ici alpha égale à 0. Donc on vous simplifie la vie, alpha égale à 0. Maintenant, à partir de les coordonnées,
les composantes de l'accélération, on va déduire celle de vitesse par intégration. Ensuite, en intégrant celle de vitesse, on va trouver x et z. Donc ça, c'est très classique. A de x, c'est d de x sur d de t. A de z, c'est d de z sur d de t. L'intégrale de 0, c'est une constante. Et l'intégrale de moins g, c'est moins g fois t plus une constante. Or, à t égale à 0, v0x, c'est v0. Donc cette constante, c'est v0. Et à t égale à 0, remplacé ici par 0, à quoi est égal v2 z0? Donc 0 est égal à c2. Donc c2 égale à 0. Donc voilà l'expression de la vitesse. Donc c'est v0. Et v2z, c'est moins g fois t. Maintenant, v de x, c'est d de x sur d de t. Et v de y, c'est d de y sur d de t. Donc j'intègre v0, ça me donne v0 fois t plus une constante. J'intègre moins g fois t, ça me donne moins g t carré plus une autre constante. Or là aussi, faites très attention aux conditions initiales. À t égale à 0, x c'est 0, mais z n'est pas égal à 0, c'est h0. Donc je remplace t par 0, vous avez ici 0 est égal à 0 plus c'est 1, donc c'est 1 égal à 0. Et là, vous avez h0 est égal à 0 plus c0, donc c0 est égal à h0. Donc voilà les équations horaires. Et toujours question classique, après les équations horaires, on vous demande de déterminer l'équation de la trajectoire. Donc il faut éliminer le temps. Donc ça aussi, c'est très classique. Vous cherchez t en fonction de x, donc t c'est x sur v0. On remplace dans cette équation-là. Et ça vaut donc z est égal à moins 1 demi g fois x sur v0 au carré plus h0. Donc c'est quoi la nature de cette trajectoire? Y égale ax carré plus b, c'est une parabole. Bien, maintenant on vous dit au bout de combien de temps le sauteur va-t-il atteindre la hauteur h1. Donc on dit au bout de combien de temps, donc il faut penser aux équations, horaires. D'accord? La hauteur, ça concerne z, donc il faut penser à z de t. Donc z de t, c'est moins 1 demi gt carré plus h0. On vous dit z est égal à h1, je connais h0, je connais g, donc je peux déterminer le temps. Donc h1, si t est égal au temps cherché, z est égal à h1. Donc je remplace h par h1 et t par t1. Donc à l'instant t1, le sauteur va arriver à la hauteur h1. Donc, vous avez tout. Donc, t1 au carré, c'est égal à 2 fois h0 moins h1. Et ensuite, on va diviser par g. Faites l'application numérique, vous allez trouver 20 secondes. Maintenant, la chute est-elle réellement libre? Aussi réellement libre, on va voir. Donc, si la chute est libre, justifiez que l'énergie mécanique de sauteur se conserve. Donc, on va la supposer libre. À t égale à 0, l'énergie mécanique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc c'est 1 demi mv0 plus mz0 fois h. Donc ça, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. D'accord? Voilà. Donc c'est à t égale à 0. La même chose à t est égal à t1. C'est l'énergie cinétique à l'instant t1. Donc c'est pas, ça, c'est 0. Ça, c'est t1. Ce n'est pas le même terme. Attention. Et ça, c'est l'énergie potentielle. Donc je l'ai remplacé ici. C'est 1 demi mv1 au carré plus mg fois h1. Maintenant, je vais calculer la variation de l'énergie mécanique et voir est-ce qu'elle est égale à 0 si on suppose que la chute est libre. À quoi est égale la variation d'énergie mécanique entre T0 et T1? C'est l'énergie cinétique 1 plus l'énergie potentielle 1, c'est-à-dire énergie mécanique à l'instant T1 moins l'énergie mécanique à l'instant T0. D'accord? Que je peux écrire 1 demi MV1 au carré moins 1 demi MV0 au carré, c'est la variation de l'énergie cinétique plus Mg facteur de H1 moins H0. Or, d'après le théorème de l'énergie cinétique, à quoi est égal delta EC? C'est le travail de la force appliquée. Quelle est la force exercée? C'est le poids. Quel est le travail du poids entre une hauteur H0 et une hauteur H1? C'est Mg fois H0 moins H1. D'accord? Vous voyez bien que, ici, c'est H0 moins H1. Donc, vous voyez bien que delta EC est égal. Donc ici Mg, faites attention, c'est H1 moins H0, d'accord? Donc delta EC plus, cette fois-ci, Mg facteur de H1 moins H0, c'est bien égal à 0. Donc si je remplace ici delta EC par Mg facteur de H0 moins H1, c'est exactement l'opposé de Mg facteur de H1 moins H0. Donc la variation de l'énergie mécanique est bien nulle. Donc l'énergie mécanique du sauteur est donc conservée. Mais s'il est conservé, essayons de déterminer la vitesse du
parachutiste à l'instant T1. Voilà, on va utiliser le théorème d'énergie cinétique. Delta EC est égal à mg facteur de H0 moins H1. Bien sûr, toujours pour calculer la vitesse, il faut toujours penser au théorème d'énergie cinétique, surtout si je connais la vitesse initiale et je connais le travail des forces appliquées. D'accord? Donc 1 demi mv1 au carré moins 1 demi mv0 au carré est égal au travail du poids. Je simplifie par m, et donc je détermine v1 au carré est égal à ça. Donc v1 est égal à racine carrée de ce terme. Je connais v0, je connais h0, je connais h1. Donc je peux déterminer v1 est égal à 2 10 puissance 2 mètres par seconde. Donc ça, si la chute était libre. Or, expérimentalement, si on mesure la vitesse du sauteur à l'instant T1, on ne trouve pas de 10 puissance 2 mètres par seconde. On vous dit qu'on trouve 55 mètres par seconde. Donc comment expliquer cet écart? Et bien sûr, l'écart va être lié à quoi? Lié à des forces de frottement. Vous voyez bien ici, il arrive beaucoup plus vite. Or, en réalité, il arrive avec une vitesse beaucoup plus faible que celle-là. Ça veut dire qu'il y a des forces de frottement tout simplement. Donc cet écart est dû à l'existence des forces de frottement exercées par l'air sur le sauteur. Sur le sauteur, bien sûr. Donc il ne saute pas dans le vide. Dans l'atmosphère, il y a de l'air. Donc l'air va exercer une force de frottement sur le sauteur. Et donc, la vitesse atteint, autrement dit, lorsque vous avez maintenant exactement chute d'un objet dans un milieu visqueux. Le milieu visqueux, c'est l'air. Et on a vu que dans ce type de cas, vous allez avoir un régime transitoire et à partir de ce régime, au-delà de ce régime, la vitesse du sauteur va rester constante. D'accord? Et cette vitesse-là va être égale à V1. Donc la vitesse atteint sa valeur limite, la force de frottement est compensée par la force, par le poids. D'accord? Donc lorsque la force de frottement, au fur et à mesure que le parachutiste saute dans l'air, d'accord, les frottements vont augmenter et à un certain moment, cette force de frottement va être exactement égale au poids et donc la somme des forces qui s'exercent sur le sauteur va être nulle et d'après le principe d'inertie, si la somme des forces est nulle, le mouvement va rester uniforme et donc la vitesse va rester constante. Maintenant, le parachutiste va ouvrir son parachute et il y a une force qui va s'ajouter. C'est la force F qui est toujours opposée au mouvement. Je vous rappelle, le mouvement se fait vers le bas. Voilà le module de cette force. On vous dit l'unité de K. Donc pour chercher l'unité, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la dimension de chaque terme. La dimension d'euro, c'est mètre, masse par unité de volume. Donc masse, distance, moins 3. L'unité de V carré, c'est mètre par seconde, donc mètre carré seconde moins 2, ou bien temps moins 2. Et la force, bien sûr, c'est m fois l'accélération, donc masse, l'accélération, c'est la distance par seconde au carré, donc longueur seconde moins 2. Donc si je remplace ici chaque terme par sa valeur, la force c'est mLt moins 2, l'unité de k, l'unité de rho c'est ml moins 3, l'unité de v carré, m au, masse au carré, distance, pardon, distance au carré par t moins 2, vous simplifiez par bon, l au carré t moins l moins 3, ça donne l moins 1. Donc m avec m va se simplifier. Ici, il va rester l. T moins 2 avec t moins 2 va se simplifier. Et donc, vous voyez très facilement qu'au cas est égal à l sur l moins 1, ça veut dire une distance au carré. Donc la dimension de k, c'est une distance au carré. Donc l'équation différentiel du mouvement, bien sûr, appliquer la somme des forces est égal à m gamma. Projeter cette force-là sur l'axe Z, que j'ai orienté vers le haut. La projection de P, c'est moins P. La force, c'est plus F, est égal à un gamma, bien sûr. Gamma, c'est vers le bas, donc c'est moins m gamma. C'est moins m d de V sur d de T. Et donc, on arrive facilement à l'équation différentielle. Donc là, notez bien que j'ai noté la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et donc pas d de V de Z. Si je mets ici d de v de z, il faut mettre un plus, parce que ça sera m fois la projection du poids de la vitesse sur l'axe z. Mais le module, c'est d de v sur d de t. Bien, cette vitesse diminue rapidement, puis se stabilise à une vitesse v2. Calculer la vitesse limite. Bon, en fait, c'est la vitesse limite. Donc, si la vitesse devient constante, ce terme, bien sûr, va être égal à 0. Et donc, vous avez directement la vitesse limite
car fois rho fois la vitesse limite au carré sur 2m est égal à g. Et donc V2 est égal à racine carrée de mg sur k fois rho. Donc si on fait l'application numérique, on trouve une vitesse limite de 6 mètres par seconde. Maintenant, on a tracé comment évolue z en fonction du temps, et on vous dit retrouver cette valeur-là à partir de cette courbe. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir d'une courbe z en fonction du temps? Faites très attention ici, je vais déterminer la pente. La pente de cette courbe, c'est bien sûr la vitesse. La vitesse, c'est d de z sur d de t. C'est v de z, hein? V de z. Et la pente de la courbe. Donc pour la pente, toujours choisir des points qui sont clairs. Par exemple, j'ai choisi ce point où x est clair, y il est clair. Et j'ai pris ce point, x c'est 200 et y c'est 0. Et donc, je peux calculer v de 2z, c'est delta de z sur delta t. Donc 600 moins 0 divisé par 100 moins 200. Et c'est bien sûr une pente négative. Je vous ai dit toujours, lorsqu'une pente descend, sa pente elle est négative. Lorsqu'elle monte, sa pente elle est positive. Faites attention, tout à l'heure ce qu'on a trouvé c'est le module de la vitesse. Là c'est la projection de la vitesse sur l'axe z. Et quelle est la relation? Bien sûr le module c'est racine carrée de vz au carré plus vx qui est 0. Donc ça vous donne exactement la même valeur qu'on a trouvé tout à l'heure, 6 mètres par seconde. Donc voilà pour la partie physique. Donc voilà un exercice très très intéressant de la chimie. Je vous conseille de le bien travailler, surtout d'essayer de le faire parce que je suis sûr que vous allez faire énormément d'erreurs en corrigeant ce sujet-là. Donc on vous dit, on étudie l'évolution en fonction du temps de la réaction des ions I- qui réagissent avec l'eau oxygénée H2O2. D'accord ? L'équation symbolisée par la réaction suivante. À t égale à 0, on mélange V1 de la solution S1 d'eau oxygénée et de concentration C1 avec V2 d'une solution S2, d'iodure de potassium, de concentration molaire C2, et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Le suivi a permis de tracer les courbes ci-dessous. Les courbes présentent la variation de la molarité des ions I- et celle de I2 en fonction du temps, mais on ne vous précise pas laquelle associée à chaque courbe, associée en le justifiant les courbes A et B à la grandeur qu'elles représentent. Question auxquelles il faut répondre. Donc l'ion IO2 et moi est-il réactif limitant? Justifiez votre réponse. Voilà aussi une question très intéressante. En exploitant le graphe, trouvez les molarités, concentration initiale et finale de I- dans le mélange. Calculez la molarité H2O2 de l'eau oxygénée dans le mélange. Et montrez alors que la concentration molaire de S1, c'est C1, ça C1, c'est avant mélange, et celle de C2, de S2, c'est C2. D'accord ? Déterminez graphiquement la valeur de la vitesse volumique de I- à l'instant t égale à 10 millisecondes, en déduire celle de I2. Voilà aussi une question très intéressante. À partir de la vitesse de réaction d'un élément, on va déduire la vitesse de réaction d'un autre élément. Comment varie la vitesse de la réaction au cours du temps? Ça, on l'a vu plusieurs fois. Quelle est la valeur du temps T1/2? Dire en justifiant comment varie T1/2 si on abaisse la température, si on procède en présence d'ions Fe2+ comme catalyseur. Donc voilà, on va aborder donc ce sujet pas à pas. Bon, on va d'abord faire la correction de ce... Bien, donc voilà la partie chimie. On vous donne deux courbes qu'on a appelées A et B. On vous donne l'équation de la réaction. Et on vous dit que représente, là c'est bien sûr la variation de la concentration de I2 et la concentration de I-. Laquelle représente la variation de I2, laquelle représente la variation de I-. Très simple, il suffit de regarder la réaction. I-, ça fait partie du produit de réaction, donc sa concentration ne peut que diminuer. I2, c'est le produit, sa concentration ne peut qu'augmenter. Et donc, facilement, la courbe A, c'est I2 en fonction du temps. La courbe B, c'est la concentration de I- en fonction du temps. Maintenant, l'ion iodure I- est-il le réactif limitant? Justifiez votre réponse. Il faut raisonner. D'accord. Donc, comment déterminer si c'est le réactif limitant ou pas? Donc, dans ce type de question, on va raisonner à l'inverse. Supposons que I- c'est le réactif limitant. Qu'est-ce que ça signifie? I- c'est un réactif limitant, par définition. Un réactif limitant,
Ça veut dire que sa concentration à l'instant T final doit être égale à combien? Égale à zéro. C'est la définition d'un réactif limitant. Or, la concentration du M1, vous voyez bien qu'elle n'est pas nulle. Ah. Donc, tout de suite, on va dire d'après la courbe, la concentration du M1 lorsque T tend vers l'infini n'est pas nulle. Donc, bien sûr, ce n'est pas le réactif limitant. Autrement dit, on peut y déduire tout de suite que c'est H2O2 qui est le réactif limitant. Maintenant, en exploitant le graphe, trouver les concentrations molaires initiales de I- à l'état initial et état final. D'accord? Donc, puisque c'est la courbe A qui est la courbe de I-, pardon, I-, c'est la courbe B qui est la concentration de I-. Pardon, c'est la courbe B qui est la concentration du I-. Donc, tout de suite, voilà sa concentration initiale et voilà, bien sûr, sa concentration finale. D'après la courbe, là aussi, sa concentration initiale, c'est 0,05 mol par litre et sa concentration finale, c'est 0,01 mol par litre. C'est la concentration du I-. C'est la courbe B que représente la variation de la concentration du I- en fonction du temps. Bien, calculez maintenant la molarité initiale H2O2 de l'eau oxygénée dans le mélange. D'accord? Très attention, dans le mélange. Maintenant, on a mélangé C1, une solution de C1 de volume V1 avec une solution C2 de volume V2, mais on vous dit maintenant la concentration initiale de H2 dans le mélange. Là, vraiment, il faut bien réfléchir à la question. Hein, d'accord? Quelle est la concentration de H2? D'abord, faut penser à la question précédente. On a montré que I- n'est pas le réactif limitant. Donc, tout de suite, bien sûr, ça c'est en excès. C'est H2O2 qui va être le réactif limitant. Donc, si vous avez à l'instant initial N0 mol de H2O2, à l'instant final, vous allez avoir 0, qui est en fait N0 moins X max. Et ici, vous allez voir quoi? Vous allez voir X max. Et X max, c'est quoi? C'est N0. Est-ce que c'est clair? C'est N0. Donc, je répète. Ici, vous allez voir, faites un tableau d'avancement. À l'état initial, supposons que le nombre de moles de H2O2, on va l'appeler N0. À l'instant T, N0 moins X. À l'instant final, N0 moins X max. Or, c'est le réactif limitant. Donc, N0 X max est égal à N0. Or, ici, vous allez voir formation de 2X, formation de X. À l'état final, formation de X max. Donc, X max, c'est bien N0. Pour déterminer N0, nombre initial ou bien concentration initiale de H0, je vais la déduire à partir de la concentration finale de I2. Est-ce que c'est clair? Concentration finale de I2. Donc, d'après le nombre de moles de I2, c'est X max qui est égal au nombre de moles initial de H2O2. Et puisque, donc, la concentration initiale, ce sera la concentration finale de I2, divisé par 1, bien sûr. D'accord? Donc, ce sera 0,02 mol par litre. D'accord? J'ai divisé par 1 parce que vous avez un coefficient 1 ici. Donc, nombre de moles de I2, c'est exactement le nombre de moles final de I2, c'est le nombre de moles initial de H2O2. Donc, la concentration, on divise par le volume, la concentration de H2O2 est égale à la concentration de I2 est égale à 0,02 mol par litre. Donc, voilà une question très très importante à mon avis. Montrer que la concentration molaire de la solution S1 et C1 égale à 0, c'est-à-dire calculer en fait C1 et C2. D'accord? Donc là, c'est la concentration dans le mélange. Ce qu'on nous demande maintenant, c'est la concentration avant le mélange. D'accord? Donc la solution S1 d'oxygéné de concentration C1 et de volume V1, ça c'est avant mélange. Notez bien ce qu'on a calculé ici, c'est la concentration dans le mélange. D'accord? Donc la solution S2 de I- et C2 de volume V2, là aussi avant le mélange. Donc voilà, on prend une solution C1 de concentration de volume V1, une solution S2 de concentration C2 de volume V2, et on va obtenir une solution de volume V1 plus V2. Et bien sûr, la concentration dans le mélange, par définition, c'est quoi? C'est C1 fois V1, c'est le nombre de moles divisé par le volume total, qui est V1 plus V2. Et la même chose pour I-. Sa concentration, c'est son nombre de moles initial qui est C2 V2 divisé par le volume total. Je viens de déterminer ce terme-là. Les volumes sont connus, donc je peux déterminer C1. Donc C1 est égal à la concentration initiale de H2O2 fois
V1 plus V2 divisé par V1, puisque V1 égale à V2, c'est 2 fois, 2 fois sur 2 V1 sur V1, ça vous donne 2 fois, donc c'est bien 0,04 mol par litre. Donc la même chose pour I moins, concentration de C2, c'est concentration I moins initiale, d'accord, donc 2 fois la concentration initiale de l'iode, donc ça vous donne 0,1 mol par litre. C'est clair. Donc là, il faut bien faire attention entre la concentration dans le mélange et la concentration avant le mélange. C'est très clair, d'accord? Donc la concentration avant le mélange, on le note C1. Donc c'est un nombre de mol C1 fois V1. Et on mélange avec une autre solution de concentration C2, ça veut dire un nombre de mol N2. Et le volume total, c'est V1 plus V2. Donc la concentration dans le mélange, c'est le nombre de mol initial divisé par le volume total. Bien, déterminer graphiquement la valeur de la vitesse volumique de I moins à l'instant t égale à 10. Donc voilà, comme je dis, voilà la courbe qui représente I moins, c'est la courbe B. T égale à 10, c'est ce point-là. Voilà, ce point-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la tangente à la courbe en ce point. Et faites attention, ce qu'on trace ici, ce n'est pas le taux d'avancement en fonction du temps, c'est directement la concentration en fonction du temps. Et donc la vitesse de réaction, c'est moins d2i moins sur d2i t. Pourquoi moins? Parce que la concentration de i moins diminue. Faites attention, lorsque la concentration augmente, on fait plus. Lorsque la concentration diminue, il faut mettre un signe moins. Vous voyez ici qu'il n'y a pas un sur v, parce que c'est la dérivée de la concentration. D'accord? Donc, d'après la courbe, prenez deux points. J'ai pris ce point-là et ce point-là pour calculer la pente. Donc, ça me donne tout de suite 0,04 divisé par 30 minutes qu'il faut transformer. Bon, si on laisse en minutes, ça va vous donner 0,0442 ici, plus exactement, divisé par 30, ça vous donne 1,4 10 moins 3 mol par litre et par minute. Donc voilà, j'ai fait ici une courbe assez détaillée pour bien montrer la tangente à la courbe et la pente, vous voyez bien, c'est 0,042 ou 41 à peu près. Bon, là, vous pouvez donner la valeur 41, 42, je pense que les deux vont être acceptables, divisé par cette valeur-là, bien sûr, 30, et l'unité, c'est mol par litre, divisé par minute. Bien, on déduire celle de I2 à cet instant. Voilà une question qu'on n'a pas traitée souvent. On a déterminé la vitesse de réaction d'un élément des produits, on vous demande la vitesse de réaction. Des réactifs, pardon, et on vous demande la vitesse de réaction des produits. Donc là, il faut bien chercher quelle est la relation entre le nombre de mol de I- et le nombre de mol de I2. Donc on a calculé quoi? La vitesse de réaction de I-. D'accord, voilà. Le nombre de mol de I- et le nombre de mol de I2. Or, ici, vous voyez bien, toujours. Mettez un tableau d'avancement, ça va vous aider. Ici, vous avez une concentration initiale, nombre de mol, C1, V1. Ici, C2, V2. Donc, à l'instant T, vous allez voir C2, V2, moins 2x. Donc, la concentration de I moins, c'est C2, V2, moins 2x sur le volume total. Par contre, pour I2, c'est quoi? Donc, vous allez avoir 2x, x. Donc, ça sera x sur V. Et donc, la vitesse de réaction de I moins, c'est la dérivée de la concentration divisée par le temps, avec un signe moins. Donc ça va vous donner 2 fois d de x sur d de t. Et par contre, la concentration, la vitesse de I2, c'est la dérivée de la concentration divisée par sur d de t tout de suite. D'accord? Donc ça vous donne 1 sur v d de x sur d de t. Et vous voyez bien que je peux remplacer 1 sur v d de x sur d de t ici par la vitesse de I2. Et donc vous avez tout de suite la vitesse de réaction de I moins, c'est 2 fois la vitesse de réaction de I2. Et donc, on calcule. On déduit que la vitesse de réaction de I2, c'est égal à la vitesse de I moins divisé par 2, et ça vous donne 7,2 10 moins 4 mol par litre. Donc c'est clair ici. Il suffit de chercher l'expression de la concentration en fonction de x de chaque élément, et vous allez déduire la vitesse de réaction d'un élément en fonction de la vitesse de réaction de l'autre. On finit par une question d'ordre. Comment varie la vitesse de réaction au cours du temps? Bien sûr, vous savez tous que la vitesse diminue parce que la concentration, la quantité des réactifs diminue. Et si la quantité des réactifs diminue, la probabilité d'interagir entre les réactifs va bien sûr diminuer.
On va passer à la deuxième partie. Quelle est la valeur du temps de demi-réaction? T1/2, bien sûr, T1/2 sur le temps qui correspond à la concentration finale divisée par 2. Donc vous avez concentration finale de 0,02, la moitié c'est 0,01. Vous cherchez le temps et ça vous donne à peu près 8 minutes. Donc graphiquement, vous dites tout simplement à T1/2, I2 c'est I2 finale sur 2. Donc ça vous donne, vous voyez bien, c'est final ici, c'est 0,01 mol par litre. Donc d'après la courbe, T1/2, c'est 8 minutes. Dire en le justifiant comment varie T1/2 si on abaisse la température. Bien sûr, si on abaisse la température, la réaction va devenir très lente et donc T1/2 va augmenter. Si on abaisse la température, on diminue l'agitation thermique. Donc on diminue la probabilité de réaction entre les atomes. Si on procède en présence d'un ion ferreux comme catalyseur, bien sûr, un catalyseur augmente la vitesse de réaction et donc T1/2 va diminuer. Donc la réaction va être très rapide, donc T1/2 va être très très faible. Bien, voilà, il nous reste un dernier exercice, un peu de patience. Donc voilà, le dernier exercice, c'est la réaction d'acide butanoïque avec l'eau. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument savoir aussi. Recopier le tableau d'avancement de cette réaction et le compléter. Donc ça, je pense que tout le monde doit le faire. Déterminer l'avancement de la réaction X équilibre en fonction de VA et de concentration H3O+. Déterminer le taux d'avancement en fonction de pH et de Ca et calculer sa valeur. Que peut-on dire? Donner l'expression de la constante d'acidité du couple HA-, en fonction de taux Ca et calculer pKa. Voilà vraiment des questions absolument à savoir. Donc ça, c'est un exercice, je pense, que j'ai pris d'un ancien examen du baccalauréat marocain. C'est le seul que j'ai pris du baccalauréat marocain. Les autres, ce sont des exercices des baccalauréats d'autres pays. Bon, on va passer donc à la solution. Voilà, bon, voilà les réactions. H plus H2O donne 1- plus H3+. Bien sûr, ici, on a l'ordre de mol initial. On excès 0, 0. Ni moins X, X, X. Ni moins X équilibre, X équilibre, X équilibre. Donc, déterminer l'avancement de la réaction à l'équilibre en fonction de VA et de volume de l'acide et de la concentration d'H3+. Il suffit de remarquer, d'après le tableau d'avancement, bien sûr, vous avez concentration d'H3+, X équilibre sur VA. Donc, vous avez tout de suite X équilibre, c'est concentration d'H3+, fois le volume de l'acide. Déterminer le taux d'avancement, cette fois-ci, en fonction de pH et de Ca. Je rappelle que le taux d'avancement, c'est X équilibre sur X max. Donc, je remplace chaque terme par sa valeur. X max, bien sûr, c'est Ca VA. Donc, taux est égal à X équilibre sur CAVA. On vient de montrer que X équilibre, c'est concentration de H3+, fois VA, en simplifiant par VA. Donc vous avez taux est égal à concentration de H3+, CA. Ou bien en fonction de pH, c'est 10 à la puissance moins pH sur CA. Donc tout le monde doit savoir retrouver ça très facile. Donc faites l'application numérique, ça vous donne taux égal à 0,038. Donc taux est très inférieur à 1, donc la réaction, conclusion, la réaction, elle est limitée. Donc vous voyez, donc ça c'est l'exercice de type bac marocain, c'est extrêmement simple. Hein. Déterminer l'expression de la constante d'acidité du couple en fonction de taux et de Ca. Bon, Ka par définition, c'est H3O+, fois A- sur AH, donc c'est exactement la constante d'équilibre de la réaction étudiée, mais on veut le déterminer comme en fonction de taux et de Ca. D'accord? Donc je dois remplacer ici concentration de A- d'après le tableau d'avancement, c'est la même que H3O+, donc ça me donne H3O+ au carré. Par contre, la concentration de l'acide, c'est CaVa qui est N0 moins X équilibre sur Va. Maintenant, je remplace, je simplifie ici par Va au dénominateur, ça vous donne Ca moins X équilibre sur Va. Or, X équilibre sur Va, c'est la concentration de H3O+. D'accord? Donc, vous voyez bien que tout maintenant écrit en fonction de H3O+, on va, et concentration de H3O+, on l'a ici en fonction de taux. Voilà. Concentration de H3O+, c'est taux fois Ca. Donc, je vais remplacer concentration de H3O+, par taux fois Ca. Il est où? Concentration de H3O+, voilà, c'est taux fois Ca. Donc, vous allez avoir taux fois Ca au carré sur Ca moins taux fois Ca. En factorisant par Ca, on va simplifier par un Ca, il va vous rester Ca fois taux carré sur A moins taux. Question aussi très très classique. Maintenant, on demande de faire l'application numérique. On connaît Ca, on connaît taux,
Donc, PKA, 6 mois log de KA, et vous allez trouver exactement 4,82. Donc, voilà un sujet qui va vous allez considérer comme vraiment un très très bon entraînement. On a pratiquement étudié la majorité des questions possible au baccalauréat. Bien sûr, il y a deux thèmes que je n'ai pas traités dans ce sujet. Il y a la modulation, de modulation, mais ils sont largement étudiés sur la chaîne. Ce qu'il y a sur la chaîne, c'est largement suffisant. Et il y a aussi les piles. Les piles et l'hydrolyse, là aussi, ce sont des questions qui se répètent. Donc, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai faites sur les piles et sur l'hydrolyse. Ils sont largement suffisants pour le baccalauréat. Bonne chance, bonne continuation. N'oubliez pas d'ajouter des commentaires. Commentez la vidéo, essayez de la partager avec vos amis et à très bientôt.